était devant moi. Ah, bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Que c'était fastidieux de résoudre le problème de la webcam et de la capture. Souvenez-vous, hier soir, je vous avais laissé avec la dernière heure, la webcam m'avait lâché. J'ai interverti mes ports USB, mon ordi se fait vieux. Et là, ce matin, j'aurais dû démarrer peinard peu avant 10h. J'avais la cam, mais j'avais plus la capture de la console. Donc le temps de redémarrer l'ordi, de changer ma config matérielle au niveau des ports USB, histoire de ménager un peu mon PC. Me voilà seulement. J'espère que je vais vite me relaxer suite à cette frustration technique. Veuillez m'excuser, je suis navré, mais on a perdu une demi-heure, une heure, quoi. Bonjour, FunFan, merci à toi d'être fidèle au poste. Ah là là. Du coup, hein, voilà, on a eu le plaisir de clavarder sur Discord entre nous, mon cher FunFan, le temps de ma galère technique. Bon, allez, option, carte mémoire. Il faut que je charge là où j'en étais, en fait. Aïe, aïe. Alors, que dire? Que je vais rester à l'antenne jusqu'à 13h, je pense. Je ne me vois pas diffuser en début d'après-midi. Alors, j'ai pas vérifié, mais il y a Aeroster qui doit diffuser, je crois. Mais je sais pas à quelle heure prend l'antenne. Ah, il va peut-être le prendre tard pour moi. Il va peut-être prendre à 13h45. Ça m'arrange pas vraiment. On verra. Parce que j'aime bien voir Aeroster aussi et puis souffler un peu. Je vais pas forcément diffuser toute la journée. On verra. Honnêtement, je sais pas. Je me vois surtout jouer en deuxième partie d'après-midi et faire un relais de chaîne à Bastos. Tu as mis tous les profils fantômes à surveiller sur Twitch. Il y en a beaucoup. Oui, mais... Alors, si tu veux... C'était... Merci de m'héberger, FunFan. Je suis en train de me faire peur là. C'est moi ou il a pas chargé ma carrière? Mais non, chargé. Pourquoi il me remet pas là où j'en étais dans le championnat? J'ai pas compris le fonctionnement du jeu là. J'étais en championnat. Ah, charger une sauvegarde de championnat. C'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. Oui, les profils fantômes Twitch, ça va, ça vient. C'est triste, mais c'est au fur et à mesure des piratages. Ceux qui se font voler leur compte. Il y a bah, toujours pour ne pas le nommer Aeroster décidément, mais c'est vraiment une référence ce garçon. Il a un de ses membres publics fidèles là, qui s'est fait pirater son compte Twitch. C'est terrible. Voilà. Le malheureux faisait une introduction, j'avais oublié et du coup j'ai complètement zappé. Mais on la entendra parce que de temps en temps je referai pour mon plaisir le jeu là, je le ferai de manière redondante, alors bien espacé plusieurs mois je pense, mais avec des tutures différentes parce que j'adore ce jeu. Il reviendra de temps en temps sur mon antenne. Donc on aura l'occasion de réentendre les présentations des rallyes. Pardon, c'est ma faute. Oui, peut-être que les alertes foirent. Je suis plus à ça. Je suis bien content de pouvoir émettre dans des conditions à peu près normales. Je peux chipoter. Allez, go.
Il faut pas que j'oublie que j'ai de la doc à imprimer pour ma réunion de boulot demain. Faut que je n'oublie ça non plus d'ailleurs. What? Bah, pourquoi le jeu s'est figé? Le jeu a crash. Mais je suis modé. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Attends, je peux interagir avec la manette, la console, mais le jeu a crash. Ah ouais, non, mais... je vais faire quitter le jeu et je vais le relancer. Du coup, c'est bien, on va pouvoir entendre l'explication de l'introduction du rallye de, j'allais dire, d'Autriche. D'Écosse. Oh là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors non, parce que figure-toi, le problème de ma PS2, c'est que j'ai pas de carte mémoire PS1. Je ne pourrais pas sauvegarder ma progression. Et je me vois pas faire le championnat d'une seule traite. Parce que sans déconner, il faudrait que je mette vraiment toute une journée pour le faire. Du genre 8 heures de direct. Voilà, je fais pause pour la musique parce qu'on va vite avoir l'intro du rallye d'Écosse. J'en mettrai la musique après. Quand je démarrais le moteur là sur la ligne de départ. Ah ouais, non mais là c'est la malédiction ce matin. Oh la poisse. Ça a pas marché chez moi. Ça a pas marché. Alors le problème c'est que j'ai pas de carte conventionnelle. Ah si, je dis des bêtises. Si, j'ai une carte mémoire conventionnelle 8 mégaoctets Sony, mais elle est rangée je sais plus où. Je vous avais expliqué que je mettais mon... Attendez, je réfléchis à ce que je fais. Je mettais mes cartes extra extension de mémoire à 64 mégas pour tous mes réglages et mes ralentis de Gran Turismo 3 et 4. Troisième épreuve du championnat, qui il y a deux ans a déménagé pour le sud-ouest de l'Écosse. Rayonnant désormais autour de Dumfries, ce rallye offre quelques-unes des spéciales les plus réjouissantes de la saison britannique, sur des chemins d'inter très roulants, rendus encore plus rapides par la chaleur du mois de juin. Les forêts de Galloway illustrent superbement le caractère unique de cette épreuve, avec des conditions météo pouvant aller du temps sec à la petite pluie, en passant par le brouillard. Ces dernières années, le public écossais n'a pas été déçu par le régional de l'étape Alistair McRae, qui s'est adjugé les deux dernières éditions. Tu devrais pas avoir d'écho. Comment c'est possible? C'est mon navigateur Opera qui relance le signal audio? Normalement non. Tu devrais pas avoir d'écho. Donc je vais fermer mon navigateur, mais normalement je ne remettais pas mon propre signal. Donc Oh, j'ai dit zik. Thank you.
Où? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette collision d'arbres à la noix? Un chrono calamiteux. Merde. Oula, 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 oula. Mais vraiment, quel pied! Je l'ai fait au volant pédalier, ce jeu, c'est un régal. Alors du coup je vais faire mon vilain, je vais profiter de la rediffusion pour regarder rapidement le Discord d'Aeroster. J'aimerais prendre son horaire de diffusion. Parce que je sais qu'il a dit qu'il diffusait dans l'après-midi. Ah oui, il fait 14h45, c'est tard. On verra peut-être, peut-être que j'irai jusqu'à 14h sans avoir trop faim. Par contre là pour le coup je sais ce que je mange à midi parce que j'ai des restes. J'ai beaucoup de restes. Mais si j'ai pas d'année, je crois que j'ai rien à cuisiner. Oui, j'ai rien à cuisiner. Putain, le grand confort. Ah, ça a peut-être contribué à ce que je tienne jusqu'à l'Aeroster prendre son antenne d'ici 3 heures. On va voir, c'est vrai que j'ai pas trop faim. Enfin, je fais un petit déj en plus, donc j'ai quelque chose dans le bide. Je vais me décaler un peu. Je pense que ça va se profiler comme ça, FanFan, ma journée de diffusion. Là, je vais peut-être rester jusqu'à 13h45, le temps que Aeroster prenne son antenne, ça me ferait plaisir de lui donner les chaînes. Et je vais me garder mon début d'après-midi pour moi, manger, faire du ménage, de l'administratif. Donc je ne zappe pas le fait d'imprimer mes documents de boulot pour demain. Et je reprendrai l'antenne vers 16h30, 17h. Et je ferai mumuse sur je sais pas quoi. Jusqu'à Bastos qui prendra son antenne un peu avant 21h. Je me demande si cet après-midi je vais pas faire la suite d'Hérétique. Donc ça va te plaire. Et après demain je me pose des questions. Parce que si je m'organise bien demain. Enfin, pour demain, je pourrais éventuellement diffuser jusqu'à 16h demain. Faire un 14h-16h, mais il faudrait que je quitte enfin pour la pause déjeuner, mais je me comprends. Mais il faudrait que je coupe brut à 16h, clac, je vous laisse et que je file à Marino de boulot. À la condition que je dois tout être prêt.
Il est même pas exclure que je me présente à vous demain après-midi sur mon antenne, à nouveau pingouiné finalement. Je vais peut-être ne pas me faire suer et prendre mon costard cravate comme fringue. Rien ne m'y oblige, mais bon, moi ça me fait plaisir, puis j'ai la chance d'avoir un beau costard longtemps que je m'en serve. Peut-être comme ça ça va se profiler. Ouais. Soirée, je vais manquer de luminosité, je vais être en souffrance, vous allez voir. Ah bah les passes se méritent. Hein. Un petit soir écossais. Bien l'effet de soleil, putain, pour l'époque c'était génial ça. Ah je suis dans le fossé. Oh merde, j'ai pas assez de motricité pour revenir. Non. Au secours. Allez grimpe. Non. Oh là là, faut que je regarde le relief et que je remonte à une pente moins abrupte. C'est terrible. Oh là là. Non, je vais y retourner. Le stress.
Merde, c'est pas la bonne route. Ouais, ça roule. C'est bien, ça me détend, ça me vide la tête. Moi je l'ai en dématérialisé les Resident Evil, donc j'ai pas la joie d'avoir le manuel. Mais oui, toi tu l'avais acheté en version boîte réelle, hein, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est gage de qualité si t'as un bon manuel dans la boîte. C'est bien, bien, bien. Je me demande si une version dématérialisée des manuels ne peuvent pas se trouver sur internet. Je pense qu'il y a bien, à défaut de l'éditeur original, quelqu'un sur Terre qui soit amusé à numériser des pages et à balancer ça sur internet. Mais bon, je n'en ferai rien. C'est pas moi qui ai cherché le manuel.
Surtout que j'ai fini à réussir le jeu une fois, donc j'ai pas besoin de plus d'informations. Ah, c'était terrible ça, le coup du fossé. Je me suis fait avoir comme un bleu. Oui. Oui, exact, fan, ouais, ouais. Pour les jeux PC, ouais, t'as souvent le PDF, c'est-à-dire le portable de commande format, c'est-à-dire le fichier qui représente le manuel à la base papier, mais sous sa forme dématérialisée, c'est ça, que tu consultes sur ton écran d'ordi. Ou alors, effectivement, carrément, ils t'envoient une promenée sur tel site pour pouvoir accéder aux informations. Qui parfois malheureusement ne sont pas forcément rapatriables. T'es vraiment obligé d'être connecté au site pour pouvoir accéder à l'info sans pouvoir en faire une copie de sauvegarde sur ton PC. Ça dépend de quelle forme ça prend. Du choix des éditeurs, ça. Ah, Dark Side. That is Vapor. Je suis content de ne pas m'être coltiné à un quelconque en d'un bois depuis le début. Enfin, je crois, j'ai un doute maintenant que je dis ça maintenant. Je sais plus si avant je me suis pas planté hier soir.
Bonjour Twinsen. Hop hop hop. J'allais faire une piquée dans le ravin là. Dans le fossé. Évidemment, faut que je la retourne comme une crêpe. Là. Mais oui, qu'il en est capable d'être matinal, femme. Il l'est depuis un beau bout de temps, il l'est depuis au moins 9h. On a longuement papoté, enfin papoté, cavardé sur Discord. Et c'est moi qui ai eu que des ennuis techniques. J'ai démarré mon direct il y a quelques minutes à peine. Là, c'était vogue la galère pour prendre l'antenne ce matin. Jusqu'au jeu qui plante dès la première course chargée, c'est désespérant. Et je ne suis pas dernier. C'est plaisir. Oh la vache. Ouais, moi habituellement, je me réveille à 6h du matin. C'est mon heure de réveil par défaut.
Bon, moi en ce moment, parce que je m'accorde du temps pour me régénérer, me reposer. Et surtout que voilà, j'ai la maladie qui m'a pas mal affecté cet hiver. Ça me fait bizarre de le dire, mais là j'ai été infragile cet hiver, punaise. J'étais en convalescence pas mal de semaines, ce qui est pas rassurant. Bref. Oui, donc tu disais que tu travaillais sur Paris avant, mon cher Tunisien, et que tu te levais à 5h30 du mat pour te barrer à 6h, prendre le train à 6h30 et rentrer tard le soir, entre 19h et 21h, selon les retards des trains. Ah, c'est dur, hein. C'est dur ce rythme de métro boulot-bodo. Oui, en même temps, je comprends ton raisonnement, fan. Ouais, ça dépend si tu observes une hygiène stricte de vie. Ouais, voilà. Mais je sais que tu avais dit que tu aimais bien vivre en nocturne. Ça me fait penser à mon neveu, c'est pareil. Moi, je t'ai pas. Je me suis fait quelques nocturnes quand j'étais plus jeune, la vingtaine. Des beaux soirs d'été, hein, j'avoue. Mais c'était occasionnel et on ne va plus faire ça. Je me dis tout bêtement que la nuit c'est fait pour dormir. Chacun son truc. Ah oui, l'argent pousse pas dans les arbres. À moins d'être un rentier, mais bref. Et encore ceux qui ont la chance d'être rentiers, je crois qu'ils ne le disent pas. Parce qu'évidemment ça suscite des jalousies et des convoitises. Oserais-je dire qu'ils s'inventent une vie pour rentrer dans le moule. Bref, faut tout pour faire un moule. Ouais, t'es là dans le garage, ouais, dans ta période de lycée. Hein. Non, moi, les quelques nocturnes que j'ai faites. Alors, moi, je me suis fait des nocturnes, c'était pas forcément du jeu vidéo. Parfois, je me suis fait des belles nocturnes dans le jardin de mon papa pour de l'astronomie. Avec ma fameuse lunette, mon télescope que j'avais la chance d'avoir à dos, dont on avait déjà parlé là. Que du bonheur, que du bonheur. Mais ça fait des années que j'ai pas refait d'astronomie. Et ça me reviendra, je pense. Bonjour, Tomouf! C'est pas grave, on avait compris ton mot. Oui, il y en a qui se fatiguent pas et qui font exprès de faire usage du mot fusionner des deux, qui disent bonjour. Oui, c'est vrai, c'est le même jeu qu'hier. Ouais, bah ouais. Écoute, j'ai eu un mal de chien à démarrer mon direct ce matin. J'aurais dû démarrer plus tôt, mais souvenez-vous, je vous avais quitté avec la webcam qui m'avait lâché. Enfin, la webcam en elle-même, vous voyez, elle fonctionne. C'est l'ordi qui voulait plus gérer la webcam. Et bah, figurez-vous que ce matin, quand j'ai lancé mon direct, la webcam était revenue. C'était ma captation console qui fonctionnait plus. Et donc là, j'étais pas content. Donc, il est temps d'essayer de résoudre le problème, de redémarrer mon ordi en ayant interverti les câbles USB histoire de jouer la provoque d'un point de vue électronique. C'est passé une heure en gros. Et puis je lance mon jeu tout à l'heure, une fois que je pensais que j'allais enfin pouvoir diffuser. J'ai l'émulation de la PS1 sur la PS3 qui a bugué. J'ai eu un freeze, un gel. Soupir. D'ailleurs, quand je boucle mon rallye d'Écosse par précaution, je vais sauvegarder sur la carte mémoire ma progression avant de m'engager dans l'autre championnat. Parce que pour peu qu'il y ait un crash, il faut que je me... Enfin, moi ça me fera plaisir, mais je risque de vous faire subir un recoltinage du championnat d'Écosse. Si ça venait à crasher. Et il y a 10 jours, ça veut pas. Hein. Enfin bref, j'ai plaisir à papoter avec vous. Bah tiens, une pensée pour Bob Morlock qui disait qu'aujourd'hui il bossait à 30 bornes de chez lui là. Là il doit être en train de taffer là.
Sacré bonne Morlock. Alors, quand tu joues à l'ordi en buvant des boissons alcoolisées, c'était pas simple de tenir le haut du classement. Ah, si tu t'imbibais en plus, mon cher Twinsen, je ne réponds plus de rien. Waouh. Moi, je pourrais pas. Moi, l'alcool m'inciterait à dormir. Sur ce point-là, là, on peut dire que tu as une hygiène de vie remarquable, Felfan, effectivement. Le fait de boire ni café ni alcool. Au moins, ton système nerveux n'est pas spécialement malmené. Alors, deux jeux prévus sur PS1, il y en a un autre à peu près du même genre que je me suis donc commandé. Et d'ailleurs, je t'avouerai, mon cher Tomouf, que je suis un poil déçu. Parce que je l'ai testé hier soir rapidement, je voulais voir si, comme c'est de l'occasion, c'était opérationnel et que c'était pas rayé. Alors, je rappelle que je suis en train de jouer à celui-là. Hein. Là, vous avez celui-là à l'écran actuellement. Hein. Qu'il n'y ait pas la confusion. Mais, pas du tout rayé le... Merde, j'ai zappé le... Il va me recharger le truc, tant pis. Pas du tout rayé, c'est bien, le jeu fonctionne. Mais c'est pas le jeu auquel je pensais. J'ai dû confondre peut-être un jeu homonyme ou très approchant. Donc c'est un jeu de rallye que je connais pas. Alors, c'est pas un souci en soi, je dis chic, pour moi c'est un jeu en plus. Surtout que j'ai testé l'éditeur de tracé là, qui est pas mal, qui est sympatoche. Qui vaut vraiment le coup. Sauf que, il faudra que je refasse le test sur PS2. Parce qu'en l'émulant à partir de la PS3, le jeu est ultra nerveux. C'est-à-dire que le jeu semble, c'est l'effet que ça me fait, le jeu semble s'exécuter trop rapidement. Comme la PS3 est surpuissante par rapport à la PS1. Et j'ai regardé dans les menus, il n'y a pas moyen de brider la fréquence de calcul de la PS3 pour une émulation de PS1. Et c'est tout aussi nerveux qu'un Wipeout. Donc ça me rend fou. Je n'arrive pas à avoir des réflexes aussi félins là. On va voir, je vais peut-être trouver une solution. Mais ce sera le deuxième jeu que je pourrais faire en PS1. Alors, je vais me répéter, mais c'est pour répondre complètement à ta question, Tomouf. J'avais projet d'acheter plus de jeux PlayStation 1 là, dans mon lot. Mais j'y ai renoncé, pourquoi? Parce qu'en commençant chez Gamecash, alors c'est pas une critique, hein, ils sont très bien, c'est que c'est un réseau franco-belge. Or, les autres jeux PS1 qui m'intéressaient étaient dispatchés à droite, à gauche, en France et en Belgique. Là, les deux petits jeux que je viens de vous montrer et ceux que je suis en train de vous faire, ils viennent de Tours, de la ville de Tours. Il était dans le Gamecash de cette ville. Et j'ai renoncé à prendre du Colin McRae, les deux premiers du nom, et les V-Rally, les trois premiers, on va dire la véritable trilogie originale, sur PS1. Pourquoi? Parce que ça m'occasionnait des frais de port de fou furieux au niveau de la livraison. Puisque ces jeux-là sont à droite à gauche. Il y a peut-être même, d'ailleurs, j'ai pas vérifié, il y a peut-être un ou deux exemplaires qui devaient être émis depuis la Belgique. Ce qui doit occasionner des frais supplémentaires. Donc, alors tu serais partisan d'un driver 1 ou 2, d'accord. Alors, quand vous avez des souhaits de jeux que je fasse sur ma chaîne, il y a moyen de me le notifier. J'ai déjà Twinsen qui m'a fait une liste longue comme le bras. Il y a Fear dans le lot, par exemple, qu'il aimerait que je fasse. Ça viendra. Quand je sais pas, hein, ça peut se compter en année, mais voilà. Voilà, la liste est déjà bien remplie. Une scène fait un peu son mea culpa. Il peut être coupable, je crois. Tout ça pour dire que tu fais Tomouf, tu peux faire point d'exclamation J-A-F. J-A-F signifie je à faire. Point d'exclamation J-A-F, espace. Suivi du nom du jeu que tu souhaiterais que je fasse. J'arrive même plus à conjuguer mes verbes. N'importe quoi. Et ça va me faire une liste. Ça va compléter une liste que moi je peux consulter peinard dans mon coin.
C'est le même principe, techniquement parlant, que mon tableau mystère quand vous faites vos propositions de réponse. Ce qui est bien, c'est que je vais voir le jeu que vous me proposez de faire, mais ce qui va être associé à la commande, c'est votre profil, votre nom. Donc je veux savoir qui souhaite que je fasse tel ou tel jeu. Et quand je me lancerai dans le dit jeu que vous m'avez proposé, évidemment par politesse, je vous contacterai en message privé pour vous dire « Eh oh, mon cher Intel, je vais me lancer dans le jeu que tu souhaitais que je fasse. » Tu es le bienvenu sur ma chaîne pour me regarder en direct et ou les rediffusions sur YouTube prochainement. Voilà. D'une seule. Ah, voilà, bien joué Tom Wolf. Merci. Voilà. Là, ça s'est inscrit. Je pense même dire que vous avez un message de confirmation dans la coulisse qui vous dit. Westwood vous dit votre message a bien été enregistré dans la liste. Je crois qu'il y a un message de confirmation. Mais voilà, bien joué Tomo, j'aurai ton souhait. Et voilà, à l'occasion. Merde, j'ai perdu mon pare-choc arrière. Ça se fera. Et merci à vous hein, de donner vos envies. Bon, voilà. Après, je vous ferai part de mon point de vue. D'ailleurs, il serait bon que je fasse le point, vous voyez, je suis en train de faire mon autocritique, d'inclure ça dans le jour spécial qui est le jour de l'an. Oh, j'ai fait un très bon chrono, dis donc. Ça tient du miracle. Ou je pourrais vous dire éventuellement en reprenant la liste des jeux que vous souhaitez que je fasse, je vous réponds spontanément en disant celui-là je me vois pas le faire parce que je vous justifierai pourquoi. Je pourrais faire le point tous les 1er janvier là-dessus, chaque année, clac clac, chaque début de saison. Il faudrait que je me fasse un plan, sans déconner, de déroulement de. Le 1er janvier, jour spécial. Voilà, voilà. Alors, mais Driver, j'aime bien. Pardon, pour répondre à ta question, Tomouf. La série Driver, j'aime bien aussi, ouais. Il y a le cascadeur Stuntman, que j'aime bien aussi. Une modification de console de prévu. Non, pas pour maintenant. Pas pour maintenant. Je reste sur un vieux PC, une PS2, une PS3. À l'avenir, je pourrais éventuellement. Alors, soit mon neveu pourrait me faire dans le futur la fleur de me prêter sa Xbox, je sais pas combien. Je me demande s'il a pas la toute première de 360, je ne sais plus. Ou alors je m'en achète une d'occasion pour faire la série Red Dead Redemption. Alors, le 1 et le 2 en nombre d'heures, c'est colossal. Je pourrais vous faire ça sur deux saisons. On verra, c'est possible. C'est un jeu qui m'attire, le jeu de cowboy là, Red Dead Redemption. Ça m'ouvrirait d'ailleurs même la voie au Forza Motorsport, moi qui aime bien les vroom vroom, Forza là. Mais mon souci c'est qu'il faudrait que je m'adapte à la manette de la Xbox et j'ai un mal de chien. Le peu que j'y jouais, mon cerveau il buguait. Mais on verra, c'est possible. Après, acheter une autre PlayStation supérieure, une 4 ou une 5. Peut-être, je sais pas, on verra des opportunités, on verra si dans le futur je gagne un peu mieux ma croûte, si je peux mettre un peu de tout de côté. Là malheureusement, moi je vais pas vous raconter ma vie, mais de manière personnelle, je fais pas mal de dépenses. Et il faut que je calme un peu l'hémorragie là, parce qu'il faut pas que je me mette dans le rouge au niveau de mon épargne. Mais bon, donc je me freine sur les achats. Et puis un nouveau PC. Je vais être amené dans les 3 ans à venir, sans déconner, à changer de PC là, parce qu'il tombe en ruine. Il arrive dans le grand âge, mon PC, il a quasiment 10 ans. C'est ma crainte, il pourrait du jour au lendemain mourir électroniquement. C'est une dépense que j'aimerais éviter de faire maintenant. Voilà quoi. Voilà pour vous répondre sincèrement. Alors Tom Wolf nous dit sur 360 il y a l'excellent jeu Rockstar Tactical Tennis qui est bien cool. Alors je connais pas. Merci de me donner la référence Tom Wolf, mais je la connais pas. Bah n'hésite pas à me le redire Tom Wolf quand j'aurai le modifié PS2. Non non non. N'hésite pas quand je c'est pas que j'exhiberai, c'est pas le bon terme. Quand je revendiquerai être possesseur d'une Xbox. N'hésite pas à te faire venir vers moi en me disant ah, tu peux faire tes jeux de la console, machin, machin. Voilà, je serai attentif et puis je vous dirai ce qu'il en est.
Ok, fait un achat groupé pour le PC. Alors moi, je suis pas, comment dire, dans l'idée de faire une cagnotte collective pour... Encore que, je vous avouerai que si tout ce que vous me donnez, je vous en remercie, par rapport à ma chaîne, ça se mettrait à enfler, ce que je ne souhaite pas spécialement, hein, c'est pas ma finalité. Mais imaginons que vous me donniez pas mal de sous-sous, tout ce qui est abonnement et tout le bazar de pompe à fric de Twitch, et que j'ai une cagnotte qui me permet de me racheter un ordi qu'on appelle ça, avec PayPal, là, ça pourrait éventuellement se produire, mais je vous encourage surtout pas à faire ça. Je pense vraiment très honnêtement, moi, en plus j'ai la chance d'avoir des contacts, comme je bosse dans l'informatique, j'ai la chance d'avoir des contacts qui pourraient me donner à prix très faible ou presque carrément me donner parfois du matos qui est entre guillemets qui sort du circuit de distribution normal pour X raisons. Enfin bref. Moi, je me vois m'offrir mon PC à la sueur de mon front, c'est-à-dire avec mes deniers personnels, pour faire simple. L'autre jour, je suis tombé sur une carte mère MSI à 2 500 €. Oui, non, mais il y a des trucs. Oui, non, mais ça dépend. Si tu prends du très haut de gamme, elle a des spécificités vachement. Ça m'étonne pas tant que ça. Moi, il y a un ordi. Il faudra que je vous redonne la référence par curiosité si vous voulez à l'occasion sur mon Discord. Il y a un an ou deux de ça est sorti un ordinateur portable pour joueurs, gamers. Il y avait une 3000, je sais pas combien, embarquée dedans. Ce qui est un truc de fou pour un portable. Et en plus, le portable, figurez-vous qu'il avait un double écran. C'est-à-dire qu'il y avait même un petit écran secondaire côté clavier à la base. Mais l'ordi, c'est une tuerie, quoi. Et le machin, l'ordi, le portable, il vous coûte 4000 boules, quoi. C'est 4000 et quelques. Le machin, je ne veux même pas imaginer comment il chauffe. Et évidemment, il crache toute sa puissance en étant sur secteur, pas sur batterie. Mais l'analyse des techniciens et des journalistes était très intéressante sur ce messieurs-là. À l'occasion, si vous voulez, je remets une pif dessus, je vous donnerai la référence. Mais il y a des beaux trucs hein, en informatique. Électronique, devrais-je dire même. Mais on verra, vous savez, j'ai plein de jeux encore à vous faire. Je suis heureux de diffuser mes vieux jeux. Là, je suis dans ma période Vroom Vroom rétro et FPS rétro. Là, sûr, vous pouvez être fin que vous allez en bouffer jusqu'à l'hiver prochain. Puis j'ai des promesses assez récentes à honorer à tout à chacun. Vous voyez, avec FunFan, je risque de faire le Resident Evil 5 en coop avec lui. Ça y est, il a acheté la version PS3. On a fait des tests, ça marche très bien. Il faut que je fasse aussi Half-Life. La saga, ça sera avec plaisir. Mais non, il y a une infinité de choses que j'ai à vous présenter. Je vous dirai après, évidemment, la fin de l'étape. Il y aura le ralenti.
Attends. C'est. Merde, parce que j'ai pas écouté mon copilote du coup. J'étais pas certain de la direction à prendre à l'intersection. Ah, puis je faisais. J'ai fait le choix de continuer le jeu là dès ce matin parce que je sais que j'ai peu de monde évidemment le matin. Et puis, alors moi je me fais plaisir évidemment. Hein. Et je préfère vous diffuser autre chose cet après-midi, histoire de varier les goûts et les plaisirs. Ah non, je croyais que j'allais éternuer, mais non. J'ai pas compris. J'ai amorcé un éternuement et puis l'organisme a dit bah non. Voilà, comme évidemment ceux qui rentrent du boulot peuvent me voir qu'en fin de journée. Je ne veux pas vous imposer les mêmes jours, les mêmes plages horaires. C'était mon raisonnement ce matin. L'épreuve elle est longue, hein, vous l'aurez vu avec moi là. Là je fais des kilomètres. Surtout qu'il y a pas mal de lignes droites en plus. Je devrais mettre une critique un peu négative du jeu, là on est en Écosse. Je regrette qu'ils aient pas modélisé ne serait-ce qu'un château. Ça fait un peu cliché, mais l'Écosse, je le vois avec un château un peu dans le brouillard, dans un marais, avec donc ces caves de délicieux spiritueux là, ne serait-ce que des whisky. Plus l'alcool est dangereux pour la santé, veuillez consommer avec modération. Ah, serait-ce l'arrivée? Oui! Et je me tape la rambarde, je la lèche symboliquement. Oh mon dieu. Ah dommage, dernier. Attends, je vais mettre la manette là. J'ai peur de faire tomber la manette et de la péter. Bon, les PlayStation sont robustes, mais quand même. Alors, je vais attendre qu'il charge le ralenti. Je vais zapper le tableau des chronos, qu'on puisse admirer le paysage. Et je vous lis dans le chat. La carte mère à 2500 boules. Après Driver est dispo sur Abandonware sur PC. Éventuellement, ouais. Ouais, à voir. Ouais, ouais. C'est Abandonware, je pense que ça va pas faire cracher trop ma petite carte graphique bureautique. Donc, pourquoi pas, Tomo. Je vais regarder. Il y a un écran tactile détachable. Oui, ça dépend des modèles, ouais. Alors, après les Nvidia série 4000 machin font sortir en fin d'année, donc les électroniques vont baisser du coup. Espérons. Espérons. Moi, ce qui me dérange au niveau de l'électronique, tout ce qui est marché de pièces détachées informatiques, c'est que la Chine tousse encore. C'est-à-dire, avec la pandémie, il y a des usines qui sont défaillantes à cause de panne d'électricité. Et la Chine ne produit plus autant en volume qu'avant la crise sanitaire. Ça explique les tensions sur le marché, entre autres. Hein. Ça explique pas tout. Mais c'est un gros souci. J'ai envie de dire, tournez-vous vers des économistes pour avoir une analyse et des réponses sur l'avenir possible. Ah, la lambada est revenue. Ah oui, dans la sélection de titres, ouais.
Mais j'en ai combien en tout hors des miens, j'ai pas réintégré mes œuvres à moi. J'ai 144 titres à vous faire écouter de musique libre. Et vous savez que cette liste va s'allonger semaine après semaine. Là, la nouveauté, c'est ce qu'on écoute, c'est le groupe Le Capharnaüm, qui est un groupe électro parisien qui est franchement pas dégueu, qui s'est rajouté à la liste cette semaine. Ah, tu trouves que je pilote mieux qu'hier? C'est possible. Je suis peut-être plus frais, ouais. Non, t'as peut-être raison. Oui, surtout, j'ai fait de la performance l'étape précédente. Là, j'étais dans le milieu de tableau, ça m'a surpris. Ça ressemble à la musique de Hérétique. Ouais. Mais je vais peut-être y jouer Stapam Hérétique. Je pense que ça va être mon jeu de Stapam Hérétique. On va continuer le chapitre 2. La gueule de l'enfer, la gueule infernale. XM2 fonctionnait avec la 3DFX. Ah ouais. Et Hérétique, il n'y a pas beaucoup de musique dans ce jeu, il y a plus des bruits de fond. T'es sûr? Ça me semblait assez rock, oserais-je dire gothique, la musique d'Hérétique. Je t'avoue que j'ai pas fait attention, mais ça se calque bien dans l'immersion. Ah, tu m'intrigues, Fanfan, en disant qu'il n'y a pas autant de compos que ça pour Hérétique. Ou alors elle passe bien en boucle et je m'en suis pas rendu compte. Merci Fanfan. L'ordre chronologique de la saga entre Hérétique et Exen. Okay. Hérétique 1, Exen 1, ensuite Exen 2 et enfin Hérétique 2. D'accord. Alors je crois que c'est Hérétique 2 que j'ai pas, mais enfin que j'ai pas acheté, mais je crois qu'il est en abandonware Hérétique 2. Mais par contre les trois premiers je les ai achetés. Hérétique 1, Exen 1 et 2 je les ai achetés. Donc déjà c'est bien pour le on va dire les trois premiers opus. Et le quatrième Hérétique 2, je mangerais, ouais, pour. À défaut d'être achetable, je prendrai un abonnement ouais, par défaut. Je devrais pouvoir vous les faire. Attends, j'ai une copier-coller ce que tu me dis dans l'ordre. Voilà, je me copie ce que tu m'as écrit. Si à toi, fan. Je vais me mettre en mémo rapidement dans. Discord voilà, je me suis fait un petit numéro de mon côté. J'avais remarqué dans les captures d'écran que Hérétique 2 est en vue à la Tomb Raider, ouais, à la troisième personne. Ouais. Et à mon avis, il me faudra un temps d'adaptation. Mais j'espère que la 3D de l'époque va pas mettre à genoux mon PC. Parce que j'ai vraiment du coup une petite config là. Je suis avec ma carte graphique de bureau, qui est la GT710. Ça va pas loin. Hein. Hérétique 2, il est boudé par les fans parce qu'il n'est pas en vue FPS. Ah, tu me mets en MP Discord. Ok, merci. Oui, c'est toujours ça. C'est pour cela que je l'avais pas pris à l'époque. Ah ouais, toi aussi, donc t'étais fâché que ce soit devenu un thème. Thank you.
Merde, j'ai pas le zappé, il me recharge la remarque. Oh brume, c'est une curée de poids. Oh là là! Ah là, effectivement, les conditions météo sont choquantes! Aïe 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 aïe, j'ai failli renverser la tuture. Non, je suis en train de voir Tomouf que tu m'as demandé dos droit. Alors c'est gentil, merci, mais j'ai bien le dos contre mon dossier de fauteuil, là je suis bien. C'est peut-être ma webcam qui est traviole. Ça vous donne peut-être l'effet que je suis en biais là. Non, je suis bien assis là. Merci à vous de vous soucier de ma santé. Mais non, là, je suis bien là. Et si j'avais penché ma tronche vers l'avant, là j'aurais eu la colonne vertébrale en mode aérien et c'est pas bon. Mais là elle repose bien contre le dossier. Ah! Ouf! C'est partie des champs du jeu. Alors, il est où mon château avec du whisky dans la cave? L'ambiance écossaise est redoutable.
Ah, je vois que vous parlez de la fly. Hop 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 hop. J'arrive plus à stabiliser un peu le jeu là. Là, quand je fais une reprise, elle patine, elle dérape, elle perd la direction que je lui donne. Se met à soulirer, c'est à dire que j'ai l'avant qui chasse, c'est chiant. Ah, arrivé. Oh, t'as pas de chance, je suis pas dernier. Ah merde, j'ai rien dit. Peut-être que j'ai trop misé sur l'accélération, je sais pas, sur mon réglage de bolide. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, qu'est-ce que ça parle d'Half-Life? Je reprends où j'en étais dans la lecture du chat. Après, il y a Limbo et Inside, les jeux en noir et blanc avec juste des bruitages. Alors, Limbo, ça me dit quelque chose de nom. J'ai dû peut-être en voir une démonstration. Merde! J'ai zappé l'ardif! Je me suis trompé le bouton. Ah, je suis désolé. En même temps, vous me direz, c'était la grisaille et la flotte. C'était pas top top. Mais j'ai pas fait exprès. Mince. Par contre, Inside, je connais pas. Voilà, on va rentrer dans un autre championnat là. Enfin, un autre allié. J'ai lancé sur Captain World la progression, histoire que j'ai pas de montage. Normalement, il doit me faire un... Je coupe la musique parce qu'il doit me faire une présentation orale du championnat, là. Je pense que sorti de ma sauvegarde, il va... On va entendre une voix qui présente le nouveau rallye. Non? Merde, je vais peut-être couper la chic. Tant pis, décidément. Ah oui, t'avais préféré Half-Life à l'époque, d'accord. Half-Life, c'est un... Oui, c'est une espèce un peu à part. La direction artistique est très bien. Ouais. Il faudrait mettre une commande pour des suggestions de raid, ça pourrait être sympa. Ah merci de la suggestion, Tomouf. Pourquoi pas. Soit je m'amuse à vous faire... Je peux faire deux choses dans le sens là. Attendez, faut que je me concentre quand même sur mon pilotage. Il est bien placé celui-là, la vache. Oh la vache. Comment qu'elle est partie en dérapage. Attendez, je me concentre un peu et je reviens sur la question que vous me faites, excuse-moi. Déjà la Peugeot. Je suis en train de la désosser sur la route. Wow, je suis en mode rallye raid là. J'ai bien aimé le coup de la vache. Trop bien. Voilà.
je conduis comme un bourré, là, c'est une horreur. Ah, le paysage est sympa, j'aime bien. Et la voie est large en plus. Oula, s'il y a des bottes de foin. Je me la mange. Oh là là. Soupir. Même pas les... Oh là là, oh là là, c'est une catastrophe. Non, je vais te taper la ferme. Ah oui, arrêtons de massacre. Oui, alors Tomouf, suggestion de relais de chaîne. Ça peut prendre deux formes. Ça peut prendre la forme les points de chaîne, comme tu viens de faire le dos droit là. Je pourrais mettre un certain tarif pour dire c'est vous qui êtes le chef du relais de chaîne. Pourquoi pas. Ça peut prendre la forme aussi encore une autre liste. Comme les jeux à faire ou vos réponses au tableau mystère. Je pourrais faire encore une énième liste, hein, je peux en générer autant que je souhaite. Où vous me suggérez en fait des canaux Twitch que vous aimez bien et que vous pensez que ça pourrait me plaire. Ça pourrait prendre ces deux formes là. Je n'exclus pas de faire les deux choses là. Merci de ta remarque, Tomo. Enfin, ta suggestion. Oui, il y a deux voitures. Là, je suis sur la Peugeot, mais je suis engagé dans le championnat avec celle-là. Mais attends, est-ce que j'ai la liste? J'ai 21 bagnoles possibles. J'ai 21 coutures. Est-ce que j'ai la liste là? On va voir. Alors, il faut savoir que c'est le championnat 99 de Grande-Bretagne. Alors. La Citroën Saxo, la Honda Civic, la Ford Escort, la Ford Puma, j'ai la Proton Compact, la Mitsubishi Lancer Evolution 4, la Hyundai Coupé, la Subaru Impreza, la Ford Escort RS 2000, putain, j'aimerais bien avoir celle-là, elle est extra. La Volkswagen Golf, la Renault Mégane, et il y en a d'autres, elles sont pas toutes citées. J'ai la Seat Ibiza qui est en couverture forcément, mais il y en a d'autres, je crois qu'ils ont pas tout listé proprement. Il y en a 21 au total.
Je vois dans une capture d'écran qu'il y a la Seat Ibiza Kit Car Evolution 2 pour la version précise. Mais je le ferai de temps à autre, de manière plus ou moins récurrente sur ma chaîne. Enfin, de manière récurrente, mais à fréquence plus ou moins régulière. Avec d'autres bagnoles, ça reviendra de temps en temps, parce que j'adore ce jeu. Dès que je serai en manque, je serai capable de me servir de ce jeu-là, vous savez, en bouche-trou, sur mon antenne. Tous les ans, en fait. Parce que finalement, les 36 étapes du jeu, on les fait en 8-9 heures de jeu. Donc sur une année de diffusion, ça se case en bouche-trou, ça, vous voyez. Parce que j'adore, je l'adore, il reviendra le jeu là. Mais je m'arrangerai pour faire les étapes avec d'autres bagnoles. Oh là là, la collision, je me serais tué en vrai, contre le mur en pierre sèche. Il est déjà midi, bon appétit, passez à table. Ah, le temps passe à une vitesse. Vous voyez, là c'est quand je me penche en avant que je me bousille le dos. Mais en même temps, ça me permet de bouger un peu. Ah oula, j'ai loupé des messages là, vous êtes en train de... D'accord, mais c'est un peu cher. Ah oui, mes tarifs. Oh, je reverrai si je peux revoir un petit peu à la baisse certaines options. Mais en même temps, je vous cache pas que j'essaie de vous provoquer à la fidélisation. Parce que je suis toujours en joie de pouvoir bavarder avec vous là. Là, je trouve que le rythme est bon de Cosette. On est en petit comité, mais c'est dynamique et ça me fait vachement plaisir d'échanger avec vous. Bonjour, Frobose. Oui, la caméra est de retour. Et bah, figure-toi que j'ai eu toutes les peines du monde à diffuser ce matin. Parce que quand j'ai récupéré la caméra, j'avais perdu la captation console. Donc, j'ai dû redémarrer mon ordi un peu avant 10h. Non, il galère. Ah, ça y est, c'est fini. Hop. Étape suivante. Alors, dans The Cave, on doit le finir avec plein d'équipes différentes pour débloquer des succès. Dans The Cave, donc la grotte, on doit le finir avec plein d'équipes différentes pour débloquer tous les succès. Oui, c'est bien. C'est un... Comment dire ? Ils ont... Comment on appelle ça ? Ils ont œuvré pour la rejouabilité et la... entre guillemets, artificiellement étendre la durée de vie du jeu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais, le finir plusieurs fois, ouais. Mmh. Ouais, je suis QG, moi. Voilà, en gros, j'ai la frustration, vous voyez, de mes soucis techniques de ce matin qui vient de partir, là. Dans mon étirement, mon bâillement, ça veut dire que je me relaxe. C'est bien.
Là, j'avais une vitesse moyenne qui était très intéressante avant que je m'échoue sur le côté. J'avais vraiment un bon rythme. Le cours d'eau à gauche. D'ailleurs, faut choisir de pas y aller. J'ai pas envie d'aller faire trompette. Ça, c'est beau. C'est classe. C'est peut-être un confluent ou affluent de la Tamise, je ne sais pas. Ah oui, boire un coup, tu as raison. Ouais. En fin de l'étape, je me rince au gosier. Merci. Non, on traverse toute la campagne anglaise là. Je suis pas dernier. Youpi. Allez, rinçons-nous le gosier. Alors si je me prends un truc de capture vidéo, ce sera forcément une carte interne. Si t'as l'emplacement pour une carte fille sur ta carte mère, oui, oui. Après ça dépend ce que tu veux y connecter pour de la capture. Mais je te sais suffisamment doué en technique et en matos informatique, je pense que j'aurais pas besoin de te guider. Enfin n'hésite pas à me solliciter si tu as une question, mon cher Tunsen. Mais je te connais suffisamment débrouillard pour avoir réponse à tes propres questions. Je me souviens de Sega Rally 2 sur Dreamcast. Alors Sega Rally, j'ai fait le premier sur PC. Je serais peut-être amené à le refaire dans le futur, on verra. Ce serait bien meilleur qu'un truc en USB. Sur ses avantages, ses inconvénients. Le souci plus chiant finalement dans la capture, c'est d'avoir la connectique compatible. Connectique, ça peut être chiant au niveau des câbles. Mais lui, c'est ta config, ton profil d'utilisateur, j'ai envie de dire, une scène. Pam 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 p
Mais Tomouf, je reviens vers toi. Je suis en train de réfléchir à ta suggestion de... pour des canaux relais de chaîne raid. Je vais sûrement œuvrer dans ce sens tout à l'heure. Quand je serai en antenne là, en début d'après-midi. Ce sera peut-être en place pour ce soir. Ça me plaît bien ton idée. Mais c'est vrai que j'en reviens à la critique de ma boutique de Quenchen où c'est cher. Mais tant si j'ai mis des valeurs assez élevées, c'est pour que il n'y ait pas trop de demandes non plus. Mais je comprends votre frustration. D'ailleurs, je dois vous avouer que grâce à vous, j'ai déverrouillé un succès Steam il y a quelques jours. Vous étiez plus de 10 à clavarder sur mon chat et ça déclenche un déverrouillage de 10 passes VIP supplémentaires. Donc du coup, je suis à nouveau libre de pouvoir distribuer 10 nouveaux passes VIP. Et le fait d'être VIP, en fait, ça vous permet d'avoir plus rapidement des points de chaîne, puisque je vous distingue en disant que, soit de manière, comment dire, le premier fait que je vous nomme VIP, c'est que je vous apprécie bien, que je constate que vous êtes récurrent, vous venez régulièrement sur la chaîne, et que j'ai plaisir de bavarder avec vous, ou bavarder avec les autres régulièrement. Ou alors, je vous ai nommé symboliquement ambassadeur culturel, c'est-à-dire que vous représentez un pays hors France, ou éventuellement les dom-toms, mais c'est pas encore le cas, pour des anecdotes culturelles. C'est le cas de Mélissa Japon pour le Japon, c'est le cas de Cyber Jojo pour la Belgique, c'est le cas d'Erika pour le Québec, par exemple. Ou alors le pass VIP, j'attribue pour distinguer mes membres des membres de la famille, vie réelle. Vous avez déjà vu mon cousin, Yoli Saiba, vous avez vu ma nièce, Marianne, je sais plus quoi, je crois qu'elle a plus le département, Marianne 54 là. Voilà. Donc du coup, c'est une scène. Ah, tu ne le lâcheras pas avec ça. J'ai envie de te dire quand même, en critique, trouve quand même autre chose pour le taquiner tout aussi gentiment, mais le coup de la purée est un peu trop récurrent. Bref, du coup, je suis une saisie dans le vide. Mince. Ah bah tiens, j'ai cassé la musique. C'était Winamp qui avait mon focus. Alors, de facto, je vais nommer VIP notre cher Twinsen, et je vais nommer VIP notre cher Tomouf. Ah oui. Ah bah tiens, arrivée de l'étape. Clac, 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 quitter, continuer. Alors du lapin. Je crois qu'il... Alors moi j'aime pas la chair de lapin. Je sais plus si... Je crois que t'aimes pas la viande de lapin en fun fan. Je sais plus ce que t'avais dit dans tes goûts culinaires. Mais moi, le lapin, ça me fait fuir. J'aime pas du tout le goût de l'odeur et le goût de la chair. Ça m'a jamais attiré. Je mange peu de viande. Hein. Je mange plus de la viande blanche, moi, me concernant, que de la viande rouge. C'est rare. Généralement, la viande rouge, c'est un peu comme l'alcool. D'ailleurs, c'est lorsqu'il y a un repas de fête, qu'il y a quelque chose à fêter. Donc, c'est occasionnel. C'est pas régulier chez moi d'en manger. Je suis plus un végétarien sans... Enfin, sans vraiment l'être, parce que je ne ferme pas les yeux sur la viande, voilà. Mais j'aime bien brouter. Les salades, j'aime bien. Je vais me servir un verre de whisky pour le coup.
Bon, bah, santé. Ouais, voilà, vous aurez droit au champagne et à la limousine, ouais. C'est marrant. Et tu sais quoi, Fun Fan, quand tu dis champagne, limousine, je pense à la scène du jeu que t'as fait là, les jeunes exilés de leur pays qui deviennent une dictature. C'était quoi? C'était route. Route. Road, machin truc. Avec la nana présentatrice du JT là, qui est dans sa limousine. Ah ouais, Road 96. C'est 96. Ok, merci. Ouh la vache, c'est pas en plein jour, donc la luminosité elle est très très là, au niveau de l'éclairage. Tu m'as interpellé, Fun Fan, mais tu crois que je te dirai après que c'est une ligne droite là. Si j'étais encore là pour la scène, mais je crois que j'ai toujours ta rediffusion de jeu. J'ai regardé les rediffusions parce que j'adorais le jeu. Là, j'accrocherais franchement la narration, j'aimais bien l'ambiance. Mais oui, je l'ai vu ça. Mais oui, je l'ai vu la scène là. Oui, ça partait complètement space, en plein délire, elle planait. Mais ouais, sur je sais plus quelle musique. Et d'ailleurs, c'était malin de la part des développeurs parce que ça apportait un nouveau gameplay pour le joueur. Là, ça basculait en jeu de musique où il fallait appuyer au bon moment et jouer la partition correctement. Ouais, hein, c'est beau, Froboz, hein. C'est pour ça que je l'aime ce jeu. Il a un charme fou, il n'y a pas une étape qui se ressemble. J'ai vraiment l'impression de traverser tout le Royaume-Uni là. Et encore, je crois que c'est le dernier championnat. On ne le fera peut-être pas aujourd'hui, malheureusement par rapport à l'heure. Mais j'ai toujours pas eu mon petit cottage anglais. On voit le petit village avec les intersections sur le bitume, avec le marquage au sol. Je me souviens de ça aussi, de cette là. C'est presque la dernière scène qu'on n'a pas vécue dans le jeu là. Sinon, vous voyez tous les paysages de Grande-Bretagne, c'est un régal.
Mais il faudra que je vous montre des captures d'écran de la version PC. Il y a les écrans de chargement avec les cartes routières authentiques de l'époque. Ils ont dû sucrer pour la version PS1 parce que ça demandait trop de ressources apparemment. C'est dommage. Le jeu perd de son charme. Oui, c'est l'arrivée, vite fait une bonne reprise. Oui, je suis pas dernier. Allez, j'en vois un cooks. Symphonia? Ah, je connais pas. Alors, hé! Tu fais bien de me le dire, Twinsen, parce que j'ai ouvert un compte GOG que j'utilise pas, mais je l'ai ouvert au 1er janvier dernier quand j'ai inauguré ma chaîne. Parce que mon idée, c'était à la base, c'était d'acheter des jeux sur GOG avec justement le PayPal là que j'ai ouvert sur le canal avec votre générosité. Normalement, les sous que vous avez mis dans la tirelire de la chaîne vont avant tout être dépensés sur GOG là-dessus. Et si Symphonia est gratos, il faut que je le prenne aussi, tu vois, Tunsen. Ah, c'est Unity, très bon moteur. Unity. Pardon. Alors d'ailleurs, Road 96 est ressorti il n'y a pas longtemps. D'accord, pour les consoles modernes, ok. Tu vois, même Frobo est intéressé. Tu as bien fait de nous donner l'info, Tunsen, merci. Oui, le roi des bons plans, ouais, c'est ça. C'est un jeu de plateforme 2D totalement gratos. D'accord. Et ben même moi je vais me le prendre, tu vois. Faut que je reprenne mes identifiants de GOG et que je me le télécharge. Peut-être? Peut-être tu te saignes. S'il me tape à l'œil, je connais pas ton Symphonia là. Pardon, Ah, je bois un coup et j'ai un chat dans la gorge. S'il me tape à l'œil, oui, je le ferai peut-être sur mon antenne. Ouais. Bah, si FunFan ne le fait pas, peut-être que je serais amené à le faire. Ah, FunFan, tout de suite. Qui est bien content que je me convertisse à GOG pour lâcher Steam. Non, je garderai toutes les plateformes. Mais ouais. Merci pour l'info, Tunsen, là, ton Symphonia. Par contre, mon souci. Ah oui, non, c'est vrai que pour mon coffre-fort numérique, c'est-à-dire là où je porte mon mot de passe, parce que je suis loin de connaître tous mes comptes par cœur, il faudra que je sois sous Linux. Or là, je suis sous Windows. Question, Tunsen, s'il te plaît. Le téléchargement de Symphonia gratos, il est à durée limitée? Si la durée limitée, c'est valable aujourd'hui, c'est valable la semaine. Et si c'est valable la semaine, je ferai plutôt la manip demain. Je me relancerai mon Linux le temps d'aller taffer le soir là, à ma réunion de travail. Ah, c'est en illimité! Oh bah c'est parfait! Oui bah je le téléchargerai demain. Je me relancerai sous Linux, je pense, demain après-midi, encore que. Ah, ça dépend comment je m'organise. Parce que si je fais un relais de chaîne, si je diffuse de 24h à 16h, que je fais un relais de chaîne, je relancerai pas l'ordi. Sauf si le soir. Ah, pas sûr. Je vais peut-être éteindre mon ordi le temps d'aller à la. Une fois que j'ai fait le relais de chaîne. Et je redémarrerai le soir rapidement sur Linux une fois que je suis rentré du taf, fin de ma réunion de travail. Peut-être.
Je vais voir comment je vais m'organiser. Enfin, le fait que ce soit limité dans le temps, temporel, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je le ferai dans la semaine. Voilà. Je vais pas me prendre la tête. C'est souple, c'est cool. Tu peux déjà l'ajouter à ton compte, mais le télécharger un autre jour. Oui, mais mon problème reste le même, Tunsen. Il faut que je me rappelle mes identifiants. Je sais même plus quelle adresse mail j'ai enregistrée sur mon compte GOG. Et j'en ai plusieurs, j'en ai une dizaine des comptes mail pour X fonctions. Et les mots de passe associés au compte, je sais plus. Il demande un giga, oui, bah j'ai. Ma partition de jeu, il doit me rester 120 gigas, je crois, de libre. Donc ça va pour des vieux jeux. Je suis tranquille. Et beau! Le paysage est magnifique. Ouais. Bah je redéteste une scène. Je verrai si je peux vous le diffuser et jouer sans que ça rame trop. Mais merci pour l'info, ouais, le Symphonia. Bon appétit pour ceux qui dégustent à table là. Ah si. Oh. Je réfléchis à ce que je devrais faire au début d'après-midi dans mon hôtel. J'ai plusieurs documents à imprimer. Je crois que j'ai ma tenue qui est quasiment prête pour demain, il faudra que je vérifie. Soleil, soirée. Ah, on va encore avoir un crépuscule. Il faut que je prépare un DVD aussi, vidéo, pour le collègue. Il faut que je transmette des données, c'est vrai, elle m'avait fait une demande. Child of Light. Oh, ça me dit quelque chose, l'enfant de lumière. Ça me dit quelque chose. Alors, figure-toi que Postal 1 et 2, je les ai, mais presque à regret, je te répondrai. Parce que c'est vraiment un jeu violent, bourrant, presque de violence gratuite, je trouve, et ça me met mal à l'aise. Déjà, je me vois pas le diffuser, parce que j'aime pas... Voyez, pause, attendez. On a vu le marquage au sol anglais, là. C'est peut-être l'étape là où on va traverser un village anglais. Ça m'a plu là le marquage au sol. C'est peut-être l'étape là. Et à un moment il y a un petit cottage, un petit patelin magnifique. On va passer une intersection en croix là, dans un. Avec des baraques comme ça là, ce qu'on est en train de voir. C'est trop mignon, ça fait très anglais. Postal, oui, j'aime bien ça. Je. Et même jouer le peu que j'ai. Je me suis frotté, ça m'a mis mal à l'aise. Le côté carnage. Et justement, il faut savoir qu'en argot anglais, postal veut dire justement faire un carnage sur la voie publique. C'est horrible. Donc je cautionne pas ce genre de jeu. Encore, ils auraient mis un truc, une morale, ou je sais pas quoi, on liquide des humains parce que c'est des terroristes, des gros vilains. À la limite, encore ça passe. Mais là, c'est pas le cas. C'est de la violence, c'est méchant, c'est gratuit. C'est vraiment carnage pour carnage, quoi. Donc, j'aime pas. Mais je vous avoue que je les ai achetés quand c'était en promo. Et puis. Oh merde.
J'ai failli prendre la mauvaise intersection. Oh. Moi je suis accroché au buisson. Il a dit 97 droite. Heureusement encore que je réagis. Alors là on lorgne un bois mais on reste dans la campagne anglaise. C'est bien, ça change. Oui, je me disais bien que je me plantais. Il a bien dit droite. Ah, apparemment, je crois qu'il me donne une réponse sur Postal, Fun Fan. Je te lirai à l'arrivée. Ah bah, l'arrivée nous tend les bras si je puis dire. Oh oh oh, joli chrono. Ah c'est bien. Alors, j'ai vu sur YouTube le scénario qui est nul. Ça se passe dans une ville, t'es une femme qui dit je vais acheter le lait. Tu vas chez ton patron récupérer le chèque et c'est la vie banale mais avec la violence à fond. Ouais. En plus, tu es dans une société qui fabrique des jeux vidéo et au moment où ton patron te vire, tu as des manifestants armés qui envahissent tous les locaux. Effectivement, vu comme ça, c'est n'importe. Ah non, tu es un homme, t'incarnes un homme et tu as une femme qui te demande, d'accord. Ouais, non, c'est... C'est d'un triste. Non, non, celui-là, je vous le ferai pas, les Postal 1 et 2, non. Très honnêtement, je ne vois même pas relancer le programme pour moi. Ça me met mal à l'aise. Idem que tu vas chez le boucher ou juste dans ta banque, braqué, tout scénario justifie violence, ouais. C'est pas cool. Avec mes soucis d'USB, je mets mon ami sur les joues en PLS. Je suis en train de me dire que quand je vais solliciter mon imprimante tout à l'heure, c'est là que je vais vous faire cracher l'ordi. Parlons pas de malheur.
Encore que là, j'aurais la liberté de lancer mon ordi. Comme je n'épuiserai pas, je verrai rien à vous, mais... Ce serait casse-bonbon. Du coup, ça devrait m'arriver, honnêtement, je basculerai très rapidement sur Linux pour récupérer mes identifiants de données. Comme ça, je ferai la manip en même temps. Et ce sera fait pour récupérer le Symfonia. Ah oui, bien sûr qu'il est encore dans mon tableau de... Il va le rester un bon bout de temps avant de se faire attraper par les autres. Et parce qu'il était vraiment un spectateur fidèle. Hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage qu'il se soit pris la tête SDR pour pas grand chose. Mais voilà ce qui est fait. Il sera toujours le bienvenu, mais faut qu'il accepte l'ensemble de la communauté. Ah, ça n'a rien à voir, Tunsan. Le fait de supprimer son compte sur... de nuit... Oh la vache, une épreuve nocturne. Le fait de supprimer son compte Twitch n'a pas de répercussion directe sur les statistiques Wisebout. C'est du Wisebout en fait, quand tu vois le tableau des scores, fidélité, nombre de messages. C'est une fonctionnalité Wisebout. Ça a dissocié de Twitch. C'est pour ça qu'il est encore là. Je vais pas m'amuser à purger. Putain, c'est dur. À purger manuellement. Tant pis. Je perds pas mon temps à ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est à titre indicatif, les statistiques, voilà. Ah ouais, non, mais là, je suis en galère, là. Une épreuve nocturne, dure. Là, je vais être en souffrance, surtout si je pète les phares. Et c'est possible. Je ne le souhaite pas. Oh, c'était court. Et tant mieux. Waouh. Je m'attendais à une épreuve aussi longue que les précédentes. Voilà, en 2 minutes même pas, c'est tracé. Le soulagement. Pompompo. Là, j'étais en état de concentration. J'étais en transe, là. Nerveux. Ouh. Thank you.
c'est DDR, Tunisien doit faire référence à la norme informatique au niveau de la mémoire vive. Ouais, ouais. Mais DDR1, DDR2, DDR3, c'est des catégories, des classes de comment on appelle ça, d'évolution, de génération, de bac mémoire vive. C'est dingue, hein. Là aussi l'évolution de l'électronique, c'est magnifique. C'est vrai que je vous avouerai qu'on a du mal à distinguer le paysage là. Ouh, attends, je bouge un peu quand même le temps du chargement. Dernière étape, il y a toujours 6 étapes par les rallyes là. Fogo, couvert de jour. Ah bah ça me va. Oui, je pense que je vais tenir à l'antenne encore une heure. Ce qui me permettra de faire le relais chez Aerostar. J'ai pas trop faim là encore. J'ai dû me décaler, c'est vrai que j'ai grignoté mon petit déj dans la longueur à cause des pépins techniques. Déjeuner, mon cher Twinson, tu as bien raison. Come on.
C'est fort. J'arrive à faire des étincelles avec les buissons. Dangereux. Je vais générer un incendie. Côté comique du jeu, au niveau de sa physique. J'ai l'impression qu'on est à côté d'un grand domaine viticole anglais. Ça faisait cours de château. Le manoir. C'était le manoir de Lara Croft. Allez savoir. Merde, j'ai dérapé trop tôt. Pour une fois que j'anticipe trop un virage. Il y a des belles baraques sur le côté. Quand je regardais d'un air inquiet sur le côté mon téléphone qui venait de s'allumer. J'ai l'impression qu'il m'a fait un message de mise à jour et que ça s'est mal passé. Bonjour Ajay. Bonjour Ajay. C'est sympa, merci pour le coucou. Ah, c'est à ton tour de savourer un chip parmentier, mon cher Twinsen. Ben, bon appétit à toi. Même le fait de couper à la fin du ralenti. C'est un vrai tableau là, c'est beau là. Là c'est vachement bien composé. L'effet de profondeur pardon est très bien géré. Ça fait vraiment crédible. Hein. Ah le jeu il en jetait à sa sortie en 2000. Non, superbe. Message de FunFan 1992, anecdote: un des participants des chiffres et des lettres qui s'appelle Bertrand Renard, il a le record dans l'émission. Il jamais avoir raté une émission depuis 47 ans, et on lui a demandé pourquoi il s'est jamais fait remplacer, il a répondu, j'ai peur qu'un jour il y ait un remplaçant de meilleur que moi, alors je fais tout ce que je peux pour toujours être là. Intéressant pour l'anecdote. Parle pas de malheur, Frobose. Pauvre Jay. Mais encore là, c'est la pause déjeuner, il a pas cours là, il est dans le réfectoire, je pense.
Et ça encore, un point de concours, c'est pas l'arrivée. Ouais, je sais pas, il m'a fait une mise à jour le téléphone. Il m'a fait flipper au niveau de son message. Mais c'est vrai que ça fait entrer de domaine là. On voit qu'on peut déboucher. On traîne. Eh oui, le ralenti est très long et les lignes droites aussi, c'est vrai. Ça fait entrer de domaine viticole. Ouais, c'est sympa. Que le mec dit on crève. Pour le son très long. Attends, oui, tout à l'heure c'est une scène, fun fan. Qu'est-ce qu'il a dit en dernier message, une scène? Oui, non, je comprends pas de. Là pour le coup, je t'ai pas compris, fun fan. Ah, le son, d'accord. D'accord. Le très long, t'as l'impression qu'il dit on crève. Hein. Bizarre. Bon, faudra que je sauvegarde pour éviter un possible plantage, puisqu'on vient de boucler un championnat là. D'ailleurs, il va faire la présentation du suivant. Je coupe le son de la musique. D'accord, je comprends mieux, Fun Fan. Bienvenue au Stenalheim-Ulster Rally. Cette épreuve, la cinquième championnat, fait figure d'exemple dans toute l'Europe pour le sérieux de son organisation. Parcourant les routes étroites de l'Irlande du Nord, elle est souvent marquée par une météo capricieuse qui, en plus d'une chaussée particulièrement imprévisible, apparente le choix des pneus à une véritable loterie. L'asphalte irlandais ne ressemble à aucun autre. Souvent recouvert de gravillons à sa section et souillé par les machines agricoles partout ailleurs, il peut se révéler encore plus glissant que la terre. Parmi les pilotes à avoir gagné en Ulster figurent Gwyneth Evans, Mark Higgins et Colin McRae. Voilà, on va en Irlande du Nord. Et ils ont bien parlé, ils ont mis en lumière les machines agricoles. Donc à mon avis, il va y avoir des choses sur le bas-côté. Je sens que je vais me les manger. Les bûches, les parpaings, les bottes de foin et les engins agricoles. L'heure qui suit promet d'être mouvementée pour ma part. Mais on va y aller, on va découvrir Ulster, une région de l'Irlande du Nord. On démarre sous la flotte. Dans la Grande-Bretagne, ça, la flotte. Eh ben, bon app à Twinsen, là, il est passé à table. S'il n'interagit plus dans le chat, c'est qu'il déguste son agi parmentier. Et il a bien raison. Ah si, t'es là. Je croyais que t'étais déjà calme. On voit que le décor change déjà ici. Mesdames et messieurs, l'Irlande du Nord. Thank you.
Oui, c'est long à cuire, ouais. Bah, il faut une heure si tu... C'est la première cuisson. Il faut une heure normalement pour un chip parmentier minimum. C'est ça que c'est énergivore à préparer comme plein. Longue cuisson. Carrière. Pilote qui m'a donné une mauvaise indication. J'aime bien la texture du mur en brique rouge sur la droite. J'ai l'impression de voir un copier-coller de texture à la Wolfenstein 3D. Niveau texture de mur, ça me fait sourire. C'est ma faute, il m'a bien dit 90 à gauche, j'ai pas réagi. J'étais parti sur ma lancée. À droite, il me l'a dit. Hop là. Oups.
est en train de faire 10 bornes en... Ah oui, en Irlande du Nord là. Vache, j'ai mis plus de 6 minutes. Voilà, j'ai 6 minutes à papoter avec vous. Vous avez toute mon attention. Mais je vous devine en train de savourer votre déjeuner et vous avez bien raison. Bon app. C'est là où tu peux rajouter le son aux portes de l'orage. Par-dessus l'orage. Ça rajoute de la crédibilité à la scène. Mal. Là, l'enchaînement là est pas mauvais. Capter le ce que m'avait dit mon copilote là, franchement au niveau des notes il aurait dû me dire tout droit et pas droite machin.
Bon, c'est bien de recevoir des SMS lors des ralentis. D'ailleurs, j'ai pas compris le message à l'intéresser, excusez-moi. Ah, j'ai bien reçu un énorme message tout à l'heure, d'accord, mais en fait, mon téléphone a bugué et je croyais que c'était une mise à jour. Alors pardon, du coup, je prends l'information. Ah oui, ça y est, je suis arrivé. Tac. Que le que mon ralenti tombe au moment du SMS, ça m'arrange bien et je vous avouerai que c'est l'organisation avec mon chenapan de neveu. Alors pardon, si j'ai loupé des messages dans le chat, je regarderai juste après, vous en faites pas. Installations agricoles. On est en pleine cambrousse irlandaise là.
viens de m'alléger d'un pare-choc arrière. Comme d'hab. Vicieux ça. Oula, oula, là aussi c'est vicieux. Oh là 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 là. Et boum, allez dans le mur, c'était sûr. Fallait que je m'en mange un de face. Heureusement c'était doucement. Vous avez vu les fanions orange Mobile One là ? Ça indique la direction à prendre. Ça, c'est pratique dans le balisage de rallye. Non, on s'en fout dans les bois là. C'était sûr qu'il allait avoir un freinage méchant. Ça fait plaisir de rouler un peu sur du bitume. Qu'est-ce que j'en fais ? Je vais avoir une bagnole de l'enchaînement. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé dans le chat ? Je reviens vers vous, excusez-moi. Le 22 avril, ils ont sorti un Postal 4. Je comprends pas pourquoi le 2 était gratuit. Le 4 a l'air de renouer avec l'esprit du limite d'un remake. Ouais, bon. L'esprit malsain du 2, ouais. Ouais. Eh ben c'est pas une devinette hein, mais je vous cacherai pas que je ne ferai pas acquisition des opus suivants. Parce que je suis déçu de la licence pour sa violence gratuite. C'est pas pour moi.
Oh. Ah ouais. Dans ce quatrième opus, ils ont pris la voix de Duke. Ouais. Johnson John. Dur. C'est la paye pour pouvoir becter quelque chose. Hein. Le chef qui permet de remplir son assiette. Hein. Par défaut. Reste encore en direct une bonne demi-heure et puis on ira voir Aerostar. En tout cas, merci à vous d'être là. Ça fait chaud au cœur. Et c'est bien, vous me changez les idées, j'en ai besoin là aussi. Avouer, hier il jouait à Mass Effect, l'excellent Mass Effect, je vous en ai déjà parlé, et à un moment il s'est exclamé au secours parce qu'il faisait pas ce qu'il fallait faire et puis il s'est laissé déborder en fait, d'un point de vue stratégique dans le jeu là, au niveau des ennemis, et je l'ai surnommé Aéroscours. J'ai craqué, il m'a bien fait rire. Puis une pensée pour Pop and Ripop que j'avais fait relais de chaîne hier soir. Là. Le pauvre, il a une toux qui traîne. Gageons qu'il s'en débarrasse prochainement. Non, il m'a fait mal hier sur son direct. Il traîne un mauvais truc. Sacré Pop and Ripop. Qui lui faisait du Dark Souls 2 en version bourrin balèze là. C'est une édition spéciale qui où il y a plus d'ennemis. C'est vrai que c'était impressionnant le spectacle qu'il nous offrait.
Ah, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette étape. C'est le château que je voulais écossais qui se trouve finalement en du nord là. Alors là, la scène là, je m'en souvenais pas, vous voyez. J'aurais pas dû jeter un coup d'œil sur mon téléphone. J'ai vu que ça a bougé, que j'ai encore reçu un SMS de la famille. Ça m'a perturbé. Aérobic. Oh non, en une scène. Oh mon dieu. Le pire. Ça y est, vous êtes lancé dans les variantes de pseudo pour le pauvre Ironster. Je sens que je vais plus pouvoir vous arrêter. Oh, je suis second. J'en reviens pas. Je suis sur le podium de l'étape. Waouh, que m'arrive-t-il? Allez, faites-vous plaisir. Le pauvre Aerostar. Oh là là. Incroyable. J'ai failli remporter l'étape. Mais c'est inouï. Ips. Je me suis laissé transcender par la beauté du paysage. Je crois. Là, franchement, ça fait carte postale. Oui, merci pour le GG. Là, ça sent bon l'Irlande, là. Magnifique. Bon allez, je vais lire le 10 SMS que j'ai vu du coin de l'œil tout à l'heure. Ah, y a des belles bâtisses. Mais il faudrait que je revoie, il va arriver assez rapidement, l'espèce de château là, auquel j'ai fait face avant de tourner à 90 degrés à gauche là.
Donc là, c'est encore les exploitations agricoles. Voilà. Ouais, c'est... Ça vaut le coup d'œil. Oui, merci Frobose. Oh bah moi je vais me mettre à déjeuner dans une grosse demi-heure. Je me décale un peu, tant pis. Mais c'est vrai que j'ai pas trop faim là. J'ai mon petit déj là, je me digère encore. Puis je me dépense pas. J'ai le cul assis à bavarder avec vous. Faudrait que je bouge pour avoir faim. Ah, c'est mal lu. Bon après-midi. J'ai lu bon appétit, moi. De loin, pardon. A plus dans le bus, bonne journée à toi, Frobose. Merci d'être passé. Oh là, excuse-moi. N'importe quoi, moi. Ouais, bonne journée à toi, Frobose. Merci d'être passé. Et là on va avoir le dessin d'une coupe parce que je suis sur le podium. Honnêtement je sais pas. Je sais plus ce qui se passe dans le jeu quand tu gagnes. Enfin que t'es sur le podium. Thank you.
Oula, c'est de la boue. Je rentre complètement cracra à la culture. Bon, ça va, c'était qu'une petite portion. Correct. Pas mal, hein, ma prise de virage. Merde, j'ai merdé mon freinage. J'aurais dû freiner plus tôt. À gazon. Voilà, je me suis séparé de mon pare-choc arrière. Je respecte ma tradition. Oula. Un peu trop coupé. Gauche toute. Oh, la visibilité. Dure. Oh, c'est abusé, j'ai à peine léché l'air. Ça m'a stoppé net. Oula, j'ai merdé mon virage. Alors pour info, je pourrais faire usage du frein à main, c'est fait en compte dans le simulateur, mais je fais tout au frein classique en fait. Ça me fait plaisir de plus être le petit dernier. Ça me réconforte quelque part. Ouais. Sortie du direct, il faudra que je me refasse de la flotte. Je n'en ai plus là. Ou trop peu. Ouais. Too much.
Attends, je vais relancer mon navigateur parce que du coup je vais commencer à guetter la prise d'antenne d'Aerostar. Vraiment original cette compo musicale, j'apprécie. Ah, c'est beau ce choix de couleur. Le paysage est riche, il est simple, il est riche à la fois. C'est génial. Ah oui, alors là, c'est vraiment abusé. La petite entrée d'exploitation agricole, là, ou de. Enfin, bref, de propriété privée, avec la haie, le fait que je sois stoppé net parce que je m'échelle au bout de bord, vraiment niveau collision, c'est sévère, je trouve. Encore, ça a été matérialisé en mur de pierre. J'accepte. Mais le fait que ce soit la texture d'un buisson. Soupir. Et non, c'est une découverte. En Irlande du Nord, les buissons sont en béton armé. Franchement, dans la physique du jeu, ça fait l'effet là. Ah. Ah, l'arrivée, je crois. Alors, je sais plus où j'en suis dans les étapes. C'est la 5e ou 6e course que je vais aborder. This is the question. À la 5e, l'Isnamok. Allez-y. Sous le soleil, ça me va.
What the... Là. La vache, je m'en suis bien sorti. De droite. Droite toute. Mais c'est vrai, hein, ce que disait la voix off pour présenter le rallye à Ulster en Irlande du Nord, ils sont très organisés. C'est vachement pratique le coup des faillons orange. Là. J'ai presque même plus besoin de du copilote. L'information visuelle me suffit. Ils sont vraiment très bien organisés pour Ulster. C'est un régal ce rallye. Vais-je garder mon pare-choc arrière boueux jusqu'à la fin? Je me suis laissé surprendre par le revêtement. La boue m'a fait glisser comme si j'étais sur de la neige. C'est pépère. Ah, ça sert un peu à gauche. Merde, j'ai trop anticipé. Mais c'est pas possible, il y a un ruisseau qui passe ici. Ben non, c'est trop vallonné. Ça faisait bobsleigh, mais en version boue. Ça
Ouais, bah bonne digestion à toi. T'as bien raison. Ouais, ça cale bien le bide, hein, ce genre de plat. Mais quand tu te dépenses, c'est bien. Ça te met de l'énergie dans le bidon. Brancer le ralenti, ravi de constater que je ne suis plus dernier. J'ai un doute, le rallye d'Irlande du Nord, c'est le dernier des 6 ou c'est l'avant-dernier? Parce que là il me reste la dernière étape d'Irlande du Nord après ça, après le ralenti, mais autant que je vous finisse ce jeu proprement avant d'aller voir Aero. Oui, il y en a pour 5 minutes 40. C'était quoi la succession des rallyes? C'est indiqué dans le manuel, hein. C'est pour ça que je ressors, parce que j'aurai réponse à ma question. Faut que je retrouve l'info dans le manuel. Ah, c'est ça. Attends, j'avais un listing complet. C'était peut-être au... Ah, c'était peut-être la quatrième de couverture de le boîtier. Non. Non. Bah. J'ai du caca dans les yeux, moi. Je sais même plus lire. Ah bah, merci pour l'info, fanfan. Les grosses boîtes de jeux PC à l'époque, c'était terrible. Oui, bah c'était de la taille d'un gros bouquin, ouais. Mais c'est bien, au moins tu peux ranger et planquer des trucs dedans. Moi je le fais parfois. J'ai bien lu l'info, mais attendez, c'était... Voilà, c'était là. Ah non, c'est pas le... C'est l'avant-dernier rallye. Après, on ira au Manx International Rally. Alors, je serais tenté d'être vilain, c'est-à-dire de couper là, en fait. Je ferai la dernière étape d'Irlande du Nord à mon prochain direct sur ce jeu et enchaîner sur le dernier rallye qui suit. Donc, je vais programmer là tout de suite le Ratchet Aero. Ça va couper entre guillemets lors de la rediffusion. Voilà. Ça, dans les 90 secondes qui vont suivre, vous allez basculer chez Aero. Bah, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci pour l'hébergement de signal, FunFan, pour ta modération, pour l'équipe, je sais plus ce qu'on a fait, je crois. Merci pour tout, merci pour votre présence. Voilà, ça a été très agréable pour moi. Moi je vous donne rendez-vous tout à l'heure vers l'heure du goûter à 16h30, 17h. Je sais pas quand est-ce que je reprendrai l'antenne. Je vais sûrement suivre en fait le rythme d'Aero. Quand il va couper, je me mettrai à émettre 5 minutes plus tard. Ah, t'as la version boîte de métal de Wolfenstein 3D. La classe. Bon allez, ça va basculer tout doux chez Aero. Bisous, merci, à tout à l'heure. Puis je vais aller me restaurer là, il faut là, il va être 14h, faut pas que je me décale trop. Ouais, puis c'est la fin de l'étape. On a quasiment tout vu là. C'est très bien. Prenez soin de vous! J'ai gardé mon pare-choc, je crois. La classe.
J'espère que vous allez tous bien. Coucou le sage, coucou Fun Fan, coucou à tes viewers, à tous tes viewers. Et merci à toi du raid encore. J'espère que ça va. Et j'espère que vous êtes bien amusés, mais avec un jeu de rallye en général, on s'ennuie pas. Vache, la violence! Oh, c'est génial ça! Attends, c'est pas fini. On va y arriver. Je vais couper le streaming. Ah là là, c'est que du bonheur. Ah, alors attends. Oui, attends, faut que je quitte mon ralenti. Voilà. Hop. Merci les amis. Non, Aéro. Au secours. Je vais manger.